Ok. Il y a déjà le son. Voilà, j'ai dit qu'on va faire comme France 24. Tant que l'actualité est intéressante, on continue. Voilà, on va faire comme France 24. Hein. Je vous ai déjà dit que pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne recule pas. Hein. Mettez, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà noté ça. Dites-leur que Zasso dit pour la Côte d'Ivoire n'est pas fatigué. J'ai passé beaucoup d'années. Voilà, me reposer. Maintenant, je ne vais plus laisser. Alors, partagez déjà la vidéo, envoyez la vidéo déjà à tous vos amis. Et puis, voilà. Voilà. Voilà, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis. Et puis. On va, voilà, voilà, vous êtes formidable. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, nos beaux pays qu'on fout à construire. Le beau pays de Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui le président Ouattara est dans la continuité du combat de Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, il a positionné notre pays, il est en train de relever le plus grand défi du siècle. Je pense qu'Oufou est heureux dans sa tombe. C'est ce qu'Oufou voulait. Des vrais fils comme ça qui vont venir, voilà, faire plus que lui. Si on n'avait pas fait les palabres en 2010, on aurait peut-être même. La Côte d'Ivoire serait aujourd'hui un grand pays. Alors, chers amis, on va commencer parce qu'on ne va pas durer, il se fait tard, il se fait tard. Je voudrais sincèrement vous saluer, saluer toutes vos familles. Envoyez la vidéo à tous vos amis, vos connaissances. Envoyez la vidéo à Dakou Richard, envoyez la vidéo au Pro Babo, à tous ceux qui, depuis un certain temps, sont dans une lutte de coup d'État, de rébellion. À tous ceux qui mettent leur espoir en Diom Soro. À tous ceux qui croient qu'aujourd'hui, une alliance Gbagbo, Diom Soro, Kona Bédié va casser la Côte d'Ivoire, va détruire la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens vont mourir. À tous ceux qui croient aujourd'hui que Soro, c'est la personne qui va vraiment apporter un plus à la Côte d'Ivoire, c'est lui qui va réconcilier les Ivoiriens. J'attends tellement de propagande. Des gens parlent, ils racontent des choses. Moi, celui-là, il les regarde. Moi, celui-là, je les regarde. Mais dites-leur que Zazo dit. Zazo dit. Zazo dit, votre Soro, là. Votre Soro, là, il est verrouillé. Côte d'Ivoire, là où c'est arrivé, là. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire. Je parle en tant que quelqu'un. J'étais ici, 2010, j'étais à Abidjan. J'ai fait toute ma vie politique en Côte d'Ivoire. J'ai suivi la crise ivoirienne de près. Tous les Dakourou Richard qui parlent aujourd'hui, là, quand il y a eu le coup d'État de 99 de Guéï Robert, les Dakourou Richard ont soutenu le coup d'État de Guéï Robert. Les Dakourou Richard, là, ils ont soutenu la prise du pouvoir par les armes ici. Ils sont allés applaudir Guéï Robert à l'université. Moi, je n'étais pas parti. Moi, je n'étais pas parti. Tous les Dakou Richard, eux tous, ils sont allés soutenir Guéï Robert. Quelqu'un qui a pris les armes, qui a renversé le régime Bédié. Dakou Richard a appelé à soutenir Guéï. Ils sont allés organiser des étudiants à l'université. Une grande manifestation, ils ont accueilli Guéï Robert à l'université. Donc, pouvoir là, la prise du pouvoir, là, ça est les armes, là, ça est déjà dans leur germe. Des gens qui ont applaudi la prise du pouvoir par les armes. Les gens qui ont applaudi la prise du pouvoir par les armes et aujourd'hui qui se comportent comme s'ils sont quittés, je ne sais pas sur quelle planète ils sont quittés,
Ils sont quittés du ciel, ouais, et puis ils sont tombés. Ouais. Moi, je ne les comprends pas, mais on va leur parler. Je vais aujourd'hui leur parler. Voilà. Alors, chers amis, il y a quelque chose qui s'est passé depuis hier. J'ai vu certains, je ne sais pas si c'est vraiment des pro-Gbagbo, ou c'est des gens qui soutiennent vraiment Gbagbo. En fait, je ne comprends pas. Il y a des gens, quelque chose qui s'est passé hier à Paris, des gens, des femmes que je connais qui ont toujours l'habitude d'insulter ces mêmes femmes-là avec quelques groupes de personnes. Je suis en direct, s'il te plaît, je suis en direct. Mais je ne sais pas comment je vais éteindre ça, là. Alors, chers amis, j'ai vu hier des images. Je vais vous présenter ça rapidement. J'ai été vraiment déçu hier. J'ai été vraiment déçu de ce qui s'est passé hier. Des gens. Et ce qui me fait mal, ce sont mes frères bêtés, ce sont mes frères ouais, ce sont mes frères guéris, mes parents qui sont encore toujours dans ce genre de bêtises. Les agressions. Comment on peut aller agresser des autorités? Des autorités, là où ils dorment, on va même attaquer, c'est-à-dire leur propre valise, on va même tirer ça. Partout où le chef de l'État est, les gens sont là-bas. Vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement, ces Ivoiriens? Ils veulent quoi juste? Mais le président Ouattara, là, il est le président de la République. Il est notre chef de l'État. Il est le président de notre pays. De la même manière qu'on a respecté Gbagbo, il faut que les gens apprennent à respecter Ouattara. Quand Gbagbo est au pouvoir, là, c'est pas parce que nous tous on l'aimait. C'est pas tous les Ivoiriens qui aimaient Gbagbo. Ah non, c'est pas tous les Ivoiriens qui l'aimaient. Bédié est au pouvoir. C'est pas tous les Ivoiriens qui aimaient Bédié. Guéï Robert est au pouvoir. C'est pas tous les Ivoiriens qui aimaient Guéï Robert. Des grâces. Et je l'ai dit, je le répète. Je dis le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas la communauté internationale. Non. C'est pas la communauté, c'est pas les Blancs, c'est notre mentalité. C'est notre mentalité. On est mal éduqués. Les partis politiques en Côte d'Ivoire, surtout le FPI, Laurent Gbagbo a mal éduqué ses partisans. Ils ont mal éduqué les partisans. Ce qui est arrivé hier, là, moi, ça m'est arrivé en Allemagne. C'est quand vous avez vu en Allemagne, là, ils ont versé ma nourriture. Pourquoi moi, j'appelle Afin Guessant à rentrer dans le débat politique, à dialoguer avec le président Ouattara? Comme j'ai appelé le président Afin Guessant à dialoguer avec le président Ouattara, ils ont versé ma nourriture. En Allemagne, ils ont versé tout sur moi. Mais heureusement que moi aussi, je les connais, je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas laissé faire parce qu'ils pensent que moi seul, ils ne peuvent pas me distraire. Parce que de comportement, on se connaît. Et moi, je leur dis toujours que c'est en Europe, ici, vous faites ça, Paris, là, vous faites vos bruits à Paris, là. Parce que la France, là, elle peut vous tolérer ça parce que pour eux, là, ils ont assez de colonies. Ils ont besoin que vous comportez comme ça. Ils veulent vous voir vous comporter comme des idiots, des délinquants, des voyous. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Moi, j'ai honte de voir des Ivoiriens se comporter comme des voyous dans les rues de l'Europe. J'ai vraiment honte. Et ce sont les partisans de Gbagbo. Mais Gbagbo a fait l'Europe, il était exilé en France. Gbagbo a passé toute sa vie politique en France. C'est en France, vous vous comportez comme ça dans les rues de Paris. Allez agresser des personnalités partout. Partout où les Ivoiriens passent, comme eux, ils n'aiment pas Gbagbo. Vous, c'est vous qui aimez Gbagbo. Partout où on va passer, vous nous agressez. On ne peut même pas respirer à cause de votre Gbagbo. Parce que vous aimez Gbagbo, on ne peut pas respirer. Mes chers amis, moi j'ai vraiment honte de vous. J'ai vraiment honte des propres Gbagbo. Ce comportement, aller agresser des autorités. Leur propre valise. Toi, tu n'as même pas vu dans la valise, tu dis qu'il y a l'argent dedans. Mais c'est du vol, c'est de la délinquance, on appelle ça du vandalisme. C'est du vol, mais c'est du n'importe quoi. Moi, je condamne ce comportement. Je ne peux plus tolérer. Je ne peux plus tolérer que certains Ivoiriens agressent maintenant notre chef de l'État et les autorités du pays. Je ne vais plus tolérer ça. Parce que nous, là, on n'était pas. On a respecté le régime Gbagbo. On a respecté Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo venait ici, en Côte d'Ivoire, il y avait la rébellion là-bas. Il venait ici. Qui a fait ça à Gbagbo? Qui a fait ça à Gbagbo? Même s'il ne veut pas vous recadrer, nous, on va vous parler. Et je demande à la justice de faire son travail. Le temps de tolérer certains comportements, c'est terminé. Il faut que la justice fasse véritablement son travail. Il faut que la justice française, pour une fois, la France arrête
de jouer le jeu de certains pro-babous. Il faut que la France arrête ça. Il faut que les autorités françaises arrêtent ce genre de comportement. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent ça parce que la France joue trop le jeu de certains Camerounais et de certains Ivoiriens. Il faut... On sait que ce sont vos colonies. On sait que ce sont vos gens, je sais. Mais quand même, pour l'image de la France, pour l'image de la France, il faut que la France arrête ça. Ici, là, en Suisse, ici, là. Ici, en Suisse, là, ça, là, il ne peut pas faire ça, ici. Là, je suis obligé d'éteindre mon téléphone. Parce que j'ai voulu faire quelque chose, mais les gens, là... Ici, en France, ils vont faire ça. Leur bruit, là, c'est en France. La France, là, les Français, là, vous connaissez. Moi, j'ai honte. Quand je vous vois comme ça dans la rue de France, insulter les gens, dans les métros, agresser les gens, ils disent, mais voilà les Africains. Et c'est sur ces appuis. Et puis, ils contrôlent toujours nos États. Ils savent qu'ici, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est nul. Ici, là, on est nul. On ne réfléchit même pas. Et puis, les enfants nous regardent en train de tirer valise. Quelqu'un qui tire ses valises, t'as pas quoi? Parce que tu n'aimes pas le président de la République. Mais c'est le chef de l'État. C'est notre président de la République, on n'est pas obligé. Et puis, on n'est pas obligé de s'aimer. Sous Babolati, est-ce que nous aussi, on avait nos problèmes, on avait nos difficultés? Et ce qui me fait mal, ce sont les bêtés. Mais vous, les bêtés, les ouais, les quoi là. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. La rébellion là, de Soro, là, ça va être la complicité du FPI que la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire. Au FPI, là, les cadres du FPI dormaient au Burkina pour faire un coup d'État contre Blaise Compaoré. Les cadres du FPI. La Oulata Gaudi, là, les Oulata Gaudi, c'était des cadres du FPI qui étaient proches de Babo. Et même, ils partaient dormir au Burkina pour faire coup d'État contre Bédi. Hein, j'ai dit, arrêtez vos bêtises, là. Vos cinémas, là, arrêtez ça. Arrêtez votre comédie, là, on est trop fatigué de vos sales comportements. Si en Europe, là, vous n'avez rien à foutre là-bas, mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Est-ce que vous avez amené quelqu'un en Europe pour amener les gens? Est-ce qu'on vous a amené en Europe, on vous force là-bas? Si vous avez échoué, là, rentrez chez vous. Vos parents de terre, allez-y chez vous, vous faites quoi en Europe? Prenez vos bagages, allez-y chez vous, vous faites quoi là-bas? Qui a besoin de vous là-bas? Si vous voulez mener le combat là, mais allez-y chez vous. Le pays, de prenez vos billets, allez-y chez vous, sur la tête de vos parents pour mener le combat. Arrêtez de larguer les gens, fatiguer les gens. Partout où on passe, c'est vous, on voit, parce que vous aimez Babo. Vous aimez Babo, et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que c'est Babo qui nous nourrit? C'est lui qui nous a mis à l'école? Babo, n'a pas, Babo là, même quand il était député, il n'a pas construit. Il a fait quoi? Quel acte il a fait? C'est au pouvoir que Babo là, c'est quand il était au pouvoir qu'il prenait l'argent pour vous partager. Sinon, quand il était dans l'opposition, il a pris son argent, il a fait quoi? Il a réalisé quoi? Puis vous emmerdez les gens. Il a réalisé quoi? Il a réalisé quoi? Si c'est pas manipuler les étudiants à l'université pendant des années, faire des grèves, les sorodium, les blogs, les hypo, tu n'importe quoi. Si c'est pas ça, il a fait quoi? Quelqu'un a dirigé le pays pendant 10 ans. Vos parents ont été tués à l'Ouest. Mais c'est sûr, Babo, ils ont été tués. Les gens qu'on a tués à l'Ouest, là, Dietrozon, Petit Dioko, là, nous, là, on était fâchés contre. Moi-même, Zasso, dans les Agora, j'étais fâché contre Babo. Je n'ai jamais accepté cette facilité de Diom Soro d'aller tuer nos parents à l'Ouest. Et vous, les enfants de l'Ouest, vous êtes là, vous êtes toujours fâchés. Mais allez-y demander à Babo pourquoi là, il a laissé nos parents de l'Ouest mourir. Pourquoi il les a laissés? C'est lui qui est au pouvoir. Babo a prêté serment pour protéger le peuple. Babo a prêté serment pour défendre les Ivoiriens. Quand il prenait le pouvoir, il a fait la guerre avec Guy Robert. Babo a fait la guerre avec Guy Robert, avec l'appui de la même France. Les mêmes Français l'ont soutenu Babo face à Guy Robert. Guy Robert, moi, il a été tué à l'hôtel, à chose à la cathédrale. Ils ont pris sa femme, ils sont allés abattre sa femme. Sa femme a demandé pardon. Vous avez quel problème, même vous là? Vous connaissez quoi de la crise ivoirienne, puis vous emmerdez les gens, vous les pro-Babo. Vous connaissez quoi de la crise ivoirienne? Votre Babo est trop parfait. Il est Dieu. Il est Dieu. Et puis je vais vous dire, il ne va même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Babo là, il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que vous exagérez trop. Votre comportement là, ça dessert Babo, ça n'aide même pas Babo. Depuis là, ce pays-là, qui est derrière lui? Qui? Qui est derrière lui? Qui est derrière lui? On l'a libéré, on l'a dit, tu restes ici, tu ne bouges pas. Tu vas venir là, ce pays répondre ici. Qui a parlé? Qui peut parler? Vous êtes là, vous sautez, sautez, mais réfléchissez maintenant. Commencez à comprendre que votre gars là, il n'est rien. Babo là, il n'est rien. Commencez à comprendre que Babo n'est rien. Vous allez sauter, sauter. Nadi Bamba là, c'est elle qui a pris ses responsabilités pour libérer son mari. À cause de ses enfants. Elle allait prendre une maison en Belgique. Elle allait prendre une maison en Belgique. Elle a dit aux autorités belges, appeler les autorités d'Abidjan, négocier pour que mon mari se retrouve à ce pays. Tout ce qu'on a fait là, c'est du cinéma. On voulait juste garder Babo quelque part pour vous calmer. C'est fini. Vous
n'avez qu'un problème, calmez-vous, puis on avance. Maintenant qu'on a libéré votre babo, venez proposer des projets de société. C'est ce que vous avez fait là. Votre programme de gouverneur de 2020, c'est ce que nous on attend maintenant. Vous allez passer partout à agresser les gens. C'est quoi? Vous êtes les seuls Ivoiriens? Ou bien vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Vous étiez là quand on tuait les parents à l'Ouest sous le régime Babo. Vous avez fait quoi? Moi, j'étais chez Babo en 2004 à la résidence. C'est sous nos yeux qu'on a bombardé. On a bombardé nos amis ici à l'hôtel Ivoire. Il a fait quoi? Il a refusé de porter plainte même contre la France. Mamadou Coulibaly dit Babo, pardon, porte plainte. Babo, il ne veut pas. Mais il y a quoi? Vous avez quoi? Vous soutenez quelqu'un qui n'est même pas convaincu, qui n'a jamais été convaincu de ce qu'il fait. Et vous êtes là, vous agressez tout le monde. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Quand l'État au pouvoir, il a fait quoi pour vous? Vous étiez à Paris là-bas dans vos misères là. Vous avez fait quoi? Il a fait quoi pour vous quand l'État au pouvoir? Vous étiez là pour Babo partager l'argent à Blaise comparé à tous ses amis. À Paris là, vous avez créé combien d'entreprises? Combien de milliards Babo a mis derrière vous? Il a mis combien de milliards derrière vous? Quand il vit en Europe là, il s'occupait de vous ici? Arrêtez de narguer les gens. Arrêtez ce comportement parce qu'on en est marre de votre comportement. Moi personnellement, j'en ai marre, je ne supporte pas. Si ce n'est pas injuste, ce sont les agressions. Mais vous démontrez chaque jour que Babo est un homme violent. Par vos comportements, vous démontrez aux Blancs que Babo est un homme violent. Ils ne vont pas les laisser partir. Vous sautez, ils ne vont même pas aller en Côte d'Ivoire. Il dit, il va rester là-bas et puis on va organiser l'élection. 2020 là, sauter. On va organiser l'élection. Tant que nous on est assis là, c'est pour ça que j'ai créé le mouvement pour la défense et mouvement, notre mouvement, on appelle ça Génération 2020. Babo, Bédio, Sorodjom, avec leur Sorodjom là, ils vont se retirer cette année. Leur Sorodjom là, que vous soutenez, vous sautez à cause Sorodjom là. Nous on le regarde, on n'est pas pressé. Il va sauter, mais il est arrivé maintenant à son carrefour. Mais je vais parler tout à l'heure d'Akou Richard. Parce que j'ai écouté sa vidéo. Je vais vous faire écouter sa vidéo puis je vais lui parler. C'est quoi? Vous agressez les gens partout. À cause de vous, on ne peut même pas respirer. On ne peut même pas respirer. On dirait des moustiques qui envahissent maison. On dirait des moustiques qui envahissent des maisons. On ne peut même pas dormir la nuit. Oui, c'est toujours le problème. Babo, il y a quoi? Babo va revenir au pouvoir. Il va faire quoi? Il a eu le pouvoir. Il a eu 10 ans. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi avec le FPI? C'est avec leur complicité que Diom Soro a tué les Ivoiriens. C'est avec la complicité de Babo et le FPI que Diom Soro a tué les Ivoiriens. Donc, la conscience là, si vous êtes conscient là, levez-vous maintenant pour demander justice pour que Soro aussi parte à la CPI. Si vous êtes intelligent là, demandez aussi que justice soit faite pour que Soro parte à la CPI. C'est ce qu'on appelle un combat. Soro a signé les accords politiques de Ouagadougou et Babo. Ce n'est pas avec chose qu'il a signé le président Ouattara. Ce n'est pas avec le président Ouattara que Babo a signé les accords politiques de Ouagadougou. Il a signé à Soro. Soro, c'est son fils. C'est son fils, Soro là. Il maîtrise le FPI. Ce n'est pas le RDA qu'il maîtrise. Hein. S'il maîtrisait le RDA là. Mais je vais répondre à Dakour et Richard tout à l'heure. Envoyez-lui ma vidéo. Envoyez la vidéo à tous ses amis. C'est ce que je vous dis toujours. Quand je suis en direct, vous êtes déjà 1000 et quelques. Il faut que ça fasse 1000 partages. Il faut que ça fasse 1000 partages immédiatement. On ne peut plus attendre. Parce que là où on est arrivé là, c'est notre pays. Nous allons la défendre. Au prix de notre vie, nous n'allons pas laisser qui que ce soit. Nos parents sont morts, beaucoup sont morts, par ignorance et irresponsabilité des cadres du FPI, du régime FPI. Diom Soro a massacré nos parents. Nous n'allons pas tolérer cela. Il faut que ça soit dans leur oreille. On ne va même pas laisser Soro faire une petite rébellion dans ce pays. Il ne va pas. Il a joué à Boaké. C'est qu'il a tenté à Boaké, il a voulu renverser le président Ouattara. Mais les fils du Nord ont commencé à prendre conscience. Tous ces fils du Nord que Diom Soro manipule ont pris conscience. Aucun d'entre eux ne pourra maintenant prendre les armes. C'est moi qui vous dis, et je voudrais dire à tous mes frères du Nord, de l'Est, de l'Ouest, qui soutenaient Soro, sortez du jeu parce que vous avez fait trop de mal à vos parents. Prendre les armes, attaquer une république, attaquer des régions, massacrer des règlements de compte, c'est tellement géré, ça va rester sur votre conscience. Ça va rester sur votre conscience toute votre vie, dans la vie. Tu as fait du mal, mais ça fait un moment. Il faut savoir se ressaisir. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Les pro-Babo qui sautent là, ils vont se calmer. Dites-leur qu'ils vont se calmer, puis Babo n'ira pas en Côte d'Ivoire. Il va rester avec son épouse, sa femme enceinte. Là, dit Bamba, allez prendre son mari. Elle a deuxième enfant. Donc aujourd'hui, là où nous on est là, c'est d'encourager Nadi Bamba à s'occuper de son mari. Débat politique là, c'est fini. Et je voulais saluer Bessuda pour cette décision qui a été prise. Parce que les pro-Babo là, ils sont inconscients. Ils sont inconscients, moi, Zassou.
j'arrive en Allemagne. Je suis sur ma table, on veut, on verse nourriture sur moi. On veut m'agresser. Ah bon? Quelqu'un qui a soutenu Gbagbo au deuxième tour. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un gros risque que nous avons pris. Et moi, vous m'agressez, mais vous versez nourriture sur moi. Ça, c'est votre comportement. Et ils sont soutenus par certaines personnes. Mais nous, on ne va pas vous laisser nous distraire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. C'est là aussi que nous sommes nés. En tant que chaque citoyen, nous allons aussi verser notre sang pour ce pays. On ne va pas laisser quelqu'un distraire quelqu'un. C'est notre pays à nous tous. Personne ne va distraire son... On vous a donné le temps de faire la guerre. On vous a donné police, gendarmerie, tout. En 2000, de 2000 en 2010, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? De 2000 à 2010, vous êtes là, un enfant, Guillaume Soro. Il quitte là-bas au Burkina Faso. Il vient jusqu'à Boaké, dans nos casernes, il prend nos armes. Guillaume Soro prend les armes de nos casernes et puis va tuer des policiers, des gendarmes, des personnalités politiques. Et aujourd'hui, les pro-Gbagbo sont dans les rues, ils emmerdent les gens, on dirait pour, si t'étais des gens. C'est quoi ce comportement? Ça veut dire quoi? On ne peut pas respirer à côté de Gbagbo? Et Guy Robert qui est mort, vous allez dire quoi? Guy Robert, on l'a pris à la cathédrale et puis on l'a tué. Gaïla, on l'a pris à la cathédrale et puis on l'a tué. Les leaders Kwasi sont là. J'ai posé la question à leader Kwasi. Pourquoi on a tué Guy Robert? Pourquoi Guy Robert est mort? Leader Kwasi m'a parlé. De grâce, calmez-vous. Gbagbo est libéré, passons à autre chose. Gbagbo est libéré, passons à autre chose. Les gens sont allés attraper la femme de Guy, la pauvre femme. Malgré tout son pardon, on l'a battue. Ce n'est pas Ouattara qui l'a tué. C'est votre régime FPI qui avait tué Guy Robert. Vous avez tué sa femme. Vous avez massacré, mais ce sont des gens de l'Ouest. Où sont les Ouais? Où sont les Guerrerets et autres? Gay n'est pas aussi votre frère. Vous ne l'avez pas défendu sur le régime Gbagbo? Vous n'êtes pas descendu dans la rue? Vous n'avez pas aussi tiré les valises de Gbagbo? Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des tribalistes, des haineux, des gens qui divisent. Il y a celui qu'on tue. Vous ne pleurez pas. Et il y a l'autre, on a mis en prison. Vous emmerdez tout le monde. Ça veut dire quoi? Nous, au moins, s'il est en prison. Il est en prison. Lui au moins, s'il est en prison, et les autres qui sont morts. Et les autres qui sont morts. Désiré Tagro. À la dernière minute, on dit Désiré Tagro, tiens chose, va où on pouvait s'asseoir. La fille, la fille de Dieu, tout le monde. On les envoyait partout pour qu'on trouve des solutions. Gbagbo même était prêt à aller dans son village. Simone Gbagbo, Abdourahmane Sangaré, eux tous, ils ne veulent pas. Ils disent ils ne veulent pas. Mais ces gens-là se promènent en Côte d'Ivoire. On leur a accordé des libertés provisoires. Ils n'ont aucun respect. Alors qu'ils n'ont même pas battu campagne. Dakou Richard sait. Laurent Gbagbo sait, Simone. Blegoudé sait. Vous avez eu quel résultat d'élection? Pour crier partout au monde entier qu'on vous a arraché les élections, on a installé quelqu'un. Gbagbo avait perdu les élections en 2010. Et je suis prêt à tout débat avec vous. Je l'assumerai au prix de ma vie. Je ne vais pas me laisser distraire. Il faut qu'on ait un minimum de respect pour nos morts. Nos frères sont tombés devant l'hôtel Ivoire. On a pris le corps de nos amis. On s'est promené avec leur corps. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Sur les ponts, l'armée française les a bombardés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Aujourd'hui, vos rêves, c'est la violence, c'est la haine. Alors que hier, vous étiez dans la rue. Vous n'avez pas dit que hier, Soro était violent. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes maintenant violent. Vous êtes même chose comme Soro. C'est pour ça qu'on dit que c'est un marxiste. Soro est un marxiste. Vous, votre FPI, John Soro, vous êtes même chose. Vous, FPI Guillaume Soro, vous êtes même Soro, parce que Soro est FPI. Soro, c'est un militant pire FPI. C'est un marxiste, c'est un communiste, c'est un faiseur de coups d'État. Ça va faire mal aux gens. Soro aime la violence. Soro veut toujours utiliser la voie de la violence pour accéder au pouvoir d'État. C'est pour ça qu'on l'appelle un marxiste. Ne discutez pas de ça, c'est ce que je vous dis. Soro a tenté un coup d'État au Burkina. Il a tenté un coup d'État à Boaké. Il a voulu déstabiliser le régime Ouattara. Mais le régime Ouattara s'est relevé. Là où on est parti, là. Là où on est parti, là. Là où on est parti, là. Il n'aura rien en 2020. Allez-y, leur disent, Assodi, il est rentré dans le pays, il est ressorti. Il n'aura rien en 2020. Allez-y, leur disent. Ils n'ont qu'à sortir en Europe. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais je veux que justice soit faite pour ces agressions. Il faut que justice soit faite. Comme ça, on ne va plus nous agresser. Parce que moi, je m'apprête à venir à Paris. Je m'apprête à aller à Bruxelles. Je m'apprête à aller au nom du mouvement Génération 2020 pour notre candidat en 2020 qui sera le ministre Ahmed Bakayoko. Parce que le président Ouattara nous donne une opportunité. Il nous tend la main. Il dit, vous, la jeunesse, là, voilà aujourd'hui un espace que je vous donne pour voir si vous êtes vraiment préparés.
et que vous voulez vraiment le changement, si vous êtes prêt pour que nous, moi, Laurent Gbagbo, Bédier, on quitte la scène politique, Soro va les accompagner en 2020. Soro là, il va accompagner les aînés. Parce qu'il n'a il a pas un bon esprit. Il n'a pas un bon esprit. Chers amis, alors je condamne toute cette violence contre les autorités ivoiriennes parce que ce sont nos autorités. Je condamne cette violence. Mais ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, vous tous qui me regardez, ne tombez plus dans le jeu de la violence parce que ça ternit l'image de notre pays. Ça montre notre degré d'intelligence, notre niveau de maturité. Le monde entier nous regarde. Moi, ceci, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des pro-Gbagbo, nos comportements, moi j'ai honte. J'ai honte. Le monde entier nous regarde. Moi, j'ai honte. J'ai vraiment honte et j'ai vraiment mal de voir ces Ivoiriens qui se comportent comme ça. Quelqu'un a dirigé le pouvoir pendant 10 ans. Il ne vous a même pas donné une vie. Il prenait des milliards, des centaines de milliards pour donner ça à Blaise, à tous ses amis. Vous êtes restés dans votre misère pendant des années et c'est vous qui emmerdez les gens. C'était quel combat? Il avait gagné quelle élection? Dites-le, s'ils ont gagné l'élection, ils n'ont qu'à venir parler, dire ça devant moi. S'ils ont gagné l'élection, ils n'ont qu'à venir dire ça devant moi. Dites-le que ça soit dit, vous dites ça. Si vous êtes garçon, ils n'ont qu'à ouvrir le débat. On a gagné l'élection, on a gagné l'élection, on a installé Ouattara. Vous avez gagné quelle élection? Vous-même en France ici, là, on a annulé vos voix. En France ici, on a annulé vos voix. Vous avez fait quoi? Des gens sont morts. Nos parents sont morts. Des gens ont été humiliés sous votre régime. Vous avez applaudi Soro. Vous êtes allé faire caravane de la paix à Soro. Vous êtes allé faire flamme de la paix à Soro. Vous avez nommé Soro premier ministre. Vous lui avez donné tous les milliards. Même des cadres du FPI étaient humiliés à cause de Soro. On a même humilié Désiré Tagro au palais devant Soro, à cause de Soro. Et vous, vous êtes là, vous sautez, sautez. Au lieu d'aller maintenant demander aux organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, tout le monde se mobilise pour dire, bon, comme Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale, on veut que Soro soit jugé. On veut que Soro soit jugé. Ça doit être maintenant le débat. Au lieu de toujours distraire les gens, on n'aime pas Ouattara. Vous l'aimez pas, on a fou. Lui, il est en train de faire nos ponts. Il fait nos routes, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Il a hissé la Côte d'Ivoire à un niveau. Vous l'aimez, nous, on s'en fout de vous. Et puis vos collègues, là, vous allez rester dedans définitivement. Parce que Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas pouvoir là. De toutes les façons, je vais terminer par ça tout à l'heure. Pays où on a investi beaucoup d'argent. C'est ça, vous pensez que vous, les comédiens, des haineux, des tribalistes, des revanchards comme ça, là, ça vous, on va donner, ça vous, on va donner ce pays? Non. Je vous ai dit, on va diriger la Côte d'Ivoire comme la Russie. On va diriger la Côte d'Ivoire comme la Russie pour que la paix revienne définitivement, pour que chaque citoyen dans ce pays soit libre. On ne soit plus otage de l'amour de Gbagbo, otage de la colère, de l'ignorance, de la haine de certains individus parce qu'ils aiment Gbagbo. À cause de Gbagbo, pendant combien d'années, on va insulter ma maman, on va attaquer ma famille, on va m'agresser, on va me dire tout. Nous, on n'est plus des Ivoiriens parce qu'eux, ils aiment Gbagbo. Si vous envoûtez là, ce n'est pas nous qui envoûtez. Hein. Non, nous, on a encore la conscience. Hein. On a encore la conscience tranquille. Je suis rentré dans un pays qui est en train de se reconstruire. Dans un pays où est-ce le chef de l'État, en quelques années, il a réussi déjà à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Si on n'avait pas connu la rébellion que le FPI nous a installée pendant 10 ans, aujourd'hui, Ouattara a pris le président, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il aurait même construit des buildings même. Notre plateau même, il a déjà déterré certaines choses pour mettre encore d'autres choses. Le FPI allait nous imposer John Soro pendant 10 ans et ses militants n'ont aucun respect. John Soro qui était avec vous au FPI ici, un enfant comme ça, vous n'avez même pas été capable de le mater. Et on ne peut même pas respirer. C'est dit là qui a tué les Ivoiriens. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens. Si vous aviez désarmé Soro, si vous aviez maté Soro, les Ivoiriens n'allaient pas mourir. Assumez votre irresponsabilité et vos légèretés. Assumez votre irresponsabilité et votre légèreté. Vous êtes coupable de la mort des Ivoiriens. Voilà, c'est ça qui est la vérité. 2002, là, c'est vous qui avez ouvert les fenêtres. C'est vous qui avez ouvert les frontières. On vous a donné les frontières pour ne pas qu'on vienne nous tuer. On vous a donné le pouvoir. Vous avez même prêté serment. Chers amis, on va revenir à Dakou Richard. Les gens sont morts depuis des années. Vous êtes là en train de nous emmerder à chaque fois. À chaque fois. Ça veut dire quoi ce comportement? Agresser les gens, insulter les gens, menacer les gens. Chers amis, Dakou Richard a fait un poste. Dakou Richard a fait un poste, il a fait un direct. Et dans son direct, Dakou Richard appelle les Ivoiriens. Dakou Richard nous appelle à soutenir John Soro.
Dakou Richard nous appelle à soutenir John Soro en 2020 pour renverser Ouattara. Il a dit ça dans son discours. J'ai vu la vidéo, j'étais sur YouTube et automatiquement la vidéo tombe sur mes yeux. J'ai regardé, ah, c'est qui ça? Discours de Dakou. Et on a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Dakou Richard, voilà. Voilà, démission de John Soro. Voilà, monsieur Dakou Richard à propos de la démission de John Soro. J'ai dit, hein? Dakou Richard a parlé, je vais écouter. Alors, j'ouvre la vidéo, je vois Dakou Richard qui raconte des conneries, toi Dakou Richard. Et dans sa vidéo, il nous invite, c'est-à-dire nous les assos là, comme nous on ne mange pas piment, on n'a pas vécu en Côte d'Ivoire, on était quelque part là-bas quand il y a eu la rébellion de 2002, Dakou Richard nous appelle, Dakou Richard qui a soutenu Guy Robert en 99, Guy Robert qui a fait coup d'état, Dakou Richard qui a mobilisé les étudiants pour aller à l'université applaudir de Guy Robert. C'est-à-dire quelqu'un qui applaudit les armes dans ce pays. Il nous appelle. Nous les assos, c'est-à-dire nous les hommes lucides, nous on mange piment. On vit en Europe comme lui. Lui, il nous invite. On va se mobiliser parce que lui n'aime pas Ouattara. Et puis nous, on va soutenir Soro. Soro va renverser Ouattara parce que pour lui, dans ses propos, il allait loin hein, dans ses propos. Vous allez l'écouter tout de suite. C'est ça que j'ai demandé, j'ai dit à quelqu'un, j'ai appelé un ami, j'ai dit, mais c'est de quel Ivoirien il parle Dakou Richard? Dakou Richard, dans ce pays, les êtres battus, hein, Soro. Dakou Richard nous appelait dans la rue. On occupait les rues pendant des années. On ne mangeait même pas. On avait faim. Ils étaient à la tête de la galaxie patriotique. Nombreux de nos amis sont morts. D'autres mêmes sont devenus des miliciens. On les a massacrés. Ils sont morts. L'armée de Gbagbo et l'armée de Soro Diom sont pris tous nos parents du Nord. Soro allait ramasser nos petits frères du Nord et les amis dans des camions. On les a arrosés. Aujourd'hui, Dakou Richard nous appelle à soutenir Soro pour faire la guerre contre le président Ouattara en 2020. C'est ce que Dakou Richard a dit dans sa vidéo. Vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter juste un peu. Avant que je ne lui réponde. Mais je ne sais pas de quel Ivoirien il parle. Allez-y, lui dit que Zasso dit, tu t'adresses à quel Ivoirien? Il s'adresse à quel Ivoirien? Dakou Richard était là, puis nous, on ramassait le corps de nos amis. On n'est pas fatigué de mourir. Les Ivoiriens aussi ne sont pas fatigués de mourir, Dakou Richard. Pour vos intérêts égoïstes, parce que vous aimez le pouvoir avec Soro, on va encore mettre des gens dans la rue, ils vont mourir pour vos intérêts égoïstes. Et puis vous allez rester dans des gros cylindres, dans des 4x4. Vous allez être puissants. Et puis les Ivoiriens vont courir derrière vous comme des esclaves. C'est ça le combat de Dakou Richard. Tu es venu en Europe ici, c'est ça là que tu es venu apprendre. Quand la CPI a cité son nom net, il a fermé sa bouche. Maintenant, comme on dit, on a accordé la liberté, Dakou Richard sort et dit lui, il apporte un soutien à Soro. Mais je vais lui parler tout de suite. Bande de comédiens, des plaisanteurs comme ça. Vous êtes là. Gbagbo vous a tout donné. Vous, des leaders de la galaxie patriotique. Gbagbo vous a tout donné. Vous avez passé votre temps d'Amana Picasso, un côté, de l'autre côté, faire des palabres inutiles. Et Joe Soro blague Gbagbo. Sous vos yeux, il a blagué Gbagbo. Sous vos yeux, petit Soro, il vous a blagué, vous tous, il a commencé à vous donner l'argent. Il est rentré dans vous à travers ses accords. Il a profité des accords et puis il est rentré dans vous. Il a commencé à maîtriser votre système. Et Soro vous a déstabilisé à la dernière minute. Toi, Dakou Richard, tu sais tellement de choses. Je ne vais plus jamais te voir faire encore une vidéo pour appeler les Ivoiriens. Je ne vais plus te voir parce qu'en Côte d'Ivoire, tu as ta famille, tes parents sont là-bas. Il faut être quand même conscient. Tu vas être en Angleterre ici alors que tu as ta famille en Côte d'Ivoire et tu appelles les gens. Les parents qui étaient, nos parents qui étaient à Guébier et autres, là, tu les as protégés en 2010. Toi, Dakou Richard, tu les as protégés, tu étais non puissant, tu avais une armée, chacun de vous avait une armée. Vous êtes là, et puis Soro Diom, votre ami, avec tout le pouvoir que vous aviez à Abidjan, Soro Diom a fait aujourd'hui que Gbagbo a la CPI. Soro Diom a fait que Gbagbo a la CPI. Mes chers amis, si vous n'êtes pas intelligent, fermez-la. Si vous n'êtes plus intelligent, fermez-la. Si vous avez perdu la mémoire, fermez-la. Parce que nous, on a encore la mémoire. Nous, on a encore la mémoire. Nous, on a la mémoire. Donc ces jeunes Ivoiriens que vous jetiez dans la rue, en Côte d'Ivoire, on n'avait plus d'armée pendant 10 ans. Ces jeunes patriotes, notre armée n'existait pas, on payait des gens. Et les jeunes partaient donner leur vie. On les a massacrés, on les a tués au nom de John Soro. Maintenant, Dakou Richard nous appelle à soutenir John Soro. Dites à Dakou Richard que s'il a perdu la mémoire, nous on n'a pas perdu la mémoire. On respecte la mémoire de tous nos amis qui sont tombés. Dites à Dakou Richard que Zaxo dit... Arrête d'insulter la mémoire de nos morts. Arrête d'insulter la mémoire des jeunes patriotes qui sont tombés. Arrête d'insulter la mémoire des femmes qui ont été tuées, égorgées, humiliées dans le Nord. Dites à Dakou Richard que je n'accepte pas ça et je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter ça.
Tu as occupé les agora et parlement. Tu as fait des démonstrations militaires. Qu'est-ce que tu n'as pas dit, toi, Dakou Richard? Tu as fait que les nous, on était devenus à un certain moment donné aveugles. On a cru que Gbagbo, il dépassait même Poutine. Tu as mis des discours pour faire endormir le peuple. Tu as tenu des discours pour faire endormir Gbagbo lui-même. Aujourd'hui, Gbagbo a la Cour pénale internationale. Les Désiré Kangro sont morts. Quand Dakou Richard, je te rappelle que quand tu fuyais la Côte d'Ivoire, moi, j'étais à Lokodjo. J'ai vu les jeunes patriotes qui sont quittés à Yopougon et qui rentraient pour aller se battre devant la présidence. Ces jeunes-là sont tombés, j'ai vu des milliers de corps. Je ne vais pas te laisser dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Vous avez appelé les jeunes dans la rue. Mais quand les jeunes mouraient, vous avez pris vos bagages, vous avez tous fui. Aujourd'hui, tu nous appelles à venir soutenir Soro Diom pour renverser Ouattara. Parce que votre combat, c'est que les Ivoiriens meurent, le sang verse. C'est ça votre combat. C'est ça votre lutte. Opposer le peuple pour que vous, vous profitez. Opposer les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, pour que vous, vous profitez. Et les jeunes vont mourir. Les jeunes vont mourir. Les jeunes n'ont pas de vie. Mais les jeunes vont avoir une vie maintenant. Les jeunes vont avoir une vie. C'est pour ça que je voudrais dire encore merci au ministre Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a parlé de ça dans sa vidéo, quand le ministre Ahmed dit que c'est verrouillé. Oui, c'est verrouillé. 2020, là, c'est verrouillé. C'est cimenté même, c'est cimenté. 2020, c'est verrouillé, c'est cimenté. Pouvoir, on va pas... J'ai dit, 2020, là. Il a lancé un appel dans sa vidéo aux fils du Nord. Ils disent que non, les filles du Nord qui ont donné leur vie pour Guillaume Soro doivent se mobiliser pour soutenir Soro. Il n'y a pas un fils du Nord qui va soutenir Soro. Tu crois que les filles du Nord, là, ils sont bêtes? D'accord, Richard, les fils du Nord, là, ils ne sont pas bêtes. Les fils du Nord ne sont pas des idiots. Ils sont intelligents. Ils ont vu qu'à un certain moment, Soro les a trahis. Il leur a donné des armes. Ils ont massacré leurs propres parents. Gbagbo a donné l'argent des fils du Nord. Est-ce que Soro l'a donné? Les milliards que Gbagbo a donné à Soro pour payer aux enfants quand ils ont signé leur accord. Soro a pris tout cet argent et l'a sur lui. Est-ce qu'il a donné ça aux enfants? Tous ces orphelins qui sont restés dans le Nord, ces veuves, qu'est-ce que Soro a fait pour eux? Qu'est-ce que Soro a fait pour eux? Pour que des jeunes se lèvent aujourd'hui pour aller soutenir Soro pour renverser Ouattara? Ceux qui l'ont fait à Boaké, aujourd'hui, ils ont commencé à prendre conscience. Parce que nombreux d'entre eux me suivent et ils m'appellent et disent « Grand frère Zasso, on compte sur toi. » Chers amis, vous pouvez compter sur moi. Oui, vous pouvez compter sur moi parce que nous irons au bout. On va parler. Notre pays là, Ghana la paix. Moi, quand je vais au Ghana, je suis fier. Ce n'est pas affaire d'aimer le président Ouattara. Mais quand je vais au Ghana, quand je vis en Europe, c'est des jeunes qui disent ici, là, c'est des enfants comme nous qui dirigent les pays ici. C'est des enfants comme nous. Et nous, on va rester là dans nos pays, dans l'ignorance totale. Et on va opposer nos frères en s'appuyant notre tribalisme, notre haine. Même l'exil nous donne la chance de venir même vivre en Europe. Pour voir Dakou Richard, si tu es arrivé à Londres, c'est parce que Dieu veut te montrer comment les gens gouvernent la Côte d'Ivoire. Dans les agora parlement, tu étais rempli de la haine. Dans les agora parlement, tu étais rempli de la haine, comme si tu comptais sur quelque chose. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, vous avez tous fui. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, vous avez tous fui. Et vous avez laissé les enfants à la disposition de Guillaume Soro et de Ibé. Les populations en Bobo, partout. Votre premier ministre. Votre meilleur premier ministre, comme d'autres ont l'habitude de le dire, les Franklin Nyamsi, qui se réjouissent. Guillaume Soro a été 5 fois premier ministre. Et Dakou Richard même se réjouit aussi dans ça. Guillaume Soro a été 5 fois premier ministre. Guillaume Soro a assumé la rébellion. Quoi? Vous êtes fiers de Dieu aux yeux du monde à dire que Guillaume Soro a assumé la rébellion, mais c'est parce que vous étiez fragile. Ah oui, vous montrez vos limites, les limites de votre système politique. Ça veut dire que votre système politique même était, c'était trop faible. C'était tellement, tellement faible, votre régime était trop faible que Soro a créé une rébellion et il a assumé, et il a écrit un livre sur votre régime. Pour vous démontrer que vous n'êtes rien, Guillaume Soro. Ça vous serait de démontrer que vous êtes des plaisantins. Il vous insulte, Soro, vous les militants du FPI, vous les pro-Gbagbo. Tous ceux qui soutiennent Soro, là, dites-leur que Zasso dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, vous les pro-Gbagbo. Vous n'avez aucun respect pour tous vos amis qui sont morts. Tous les Désiré Kangro sont morts pour rien. Tous ces Ivoiriens sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien. Mais dans leur tombe, nous allons les honorer. Nous n'allons pas les abandonner parce qu'on était avec eux. Nos amis qui sont morts, nous n'allons pas les abandonner dans leur tombe, là où ils sont. Ils auront notre soutien parce qu'on a attrapé beaucoup. Moi, là, j'ai attrapé le corps de mes amis pleins. En 2002 et autres, on a trop pris le corps de nos amis. Aujourd'hui, là, tous ceux
qui se mettront sur la place publique pour appeler à une guerre en Côte d'Ivoire. Ils vont m'attendre sur les réseaux sociaux. Dites-leur que Sassou dit, vous allez m'attendre. Votre régime a été faible. Votre régime, il avait des individus qui se battaient entre eux. Simone Gbagbo, Lida Kwasi, Laurent Gbagbo et les clans. Les clans ont fragilisé votre système politique. Des gens qui ont renversé Guéï Robert, qui ont encouragé Guéï à aller aux élections. Ils ont pris Guéï, ils l'ont tué. Ils accèdent au pouvoir d'État. Au lieu d'aller à l'essentiel, ils ont passé leur temps dans des conflits inutiles pendant 10 ans. Et Soro est venu massacrer nos parents. En 2010, son homme Soro, premier ministre. Quand vous avez nommé premier ministre Soro la Mazasso, je vous ai dit que c'était une grave erreur d'Akou Richard. Vous ne m'avez pas cru, vous m'avez chassé des agourets parlement. Je vous ai dit que c'était une grave erreur. Vous lui donnez un budget de 37 milliards de francs CFA, vous le rendez puissant, il paye tout le monde autour de lui, de vous. Il rentre dans le système Gbagbo, il paye les cadres. Il paye les cadres du FPI, il les récupère. Il s'en va même voir Gbagbo pour enlever l'ami de Ahmed Bakary comme ministre. Il va dire à Gbagbo, enlève les candidats, tout le monde, tous ceux qui sont là-bas, les cadres du FPI, enlève-les dans le gouvernement. Et puis après, il les nomme comme ses conseillers. Parce que sous Gbagbo, Soro était fort, puissant. Sous Gbagbo, là, tu ne peux pas critiquer Soro. Les propres Gbagbo vont t'insulter, vont t'humilier. Faut leur dire, dites-leur que Sassou dit, on se connaît. On se connaît. Dites à Dakou Richard, dit, on se connaît. Tu n'as pas honte, Dakou Richard. Tu n'as pas de respect pour des patriotes que tu as traînés dans les rues. Dakou Richard, tu n'as pas de respect pour tous ces morts. Donc, toutes ces années, tu appelais les Ivoiriens dans la rue, là. C'était pour venir soutenir Soro. Donc, tous ces Ivoiriens que vous avez appelés dans la rue pendant des années, c'était pour venir soutenir Soro. Donc, tout ce que vous avez... Ah, donc, on a été trahis. Tous ces Ivoiriens, Diokou et Dutrojon, tous ceux qui ont été massacrés ont été trahis. Donc, tous ces Ivoiriens ont été trahis. Aujourd'hui, vous appelez à soutenir Soro. Soro que vous avez défendu, Soro que vous avez combattu. Vous êtes même allé à Boaké. On vous dit, vous ne rentrez pas à Boaké. Nombreux sont morts à la rentrée de Boaké. Des jeunes, il y a eu affrontement entre les autres et tout. Et il y a eu des jeunes tués. Au nom de tous ces jeunes, aujourd'hui, vous soutenez Soro. Vous soutenez aujourd'hui Soro. Vous applaudissez Soro. Ça veut dire que dans notre pays, on est tombé sur la tête. On est tous tombés sur la tête, on a un problème moral, on a un problème d'éducation, on ne comprend rien. J'ai mal. Quelqu'un qui a massacré des gens, vous l'applaudissez aujourd'hui parce que vous n'aimez pas Ouattara, parce que c'est lui qui va renverser, il ne va pas renverser Ouattara, vous vous trompez. On l'a levé. Il est parti de l'Assemblée nationale, c'est parti ça. Mais il n'a qu'à se tromper, parce qu'il est maintenant devenu votre seul espoir. Il a une armée. Soro a une armée. Soro va renverser Ouattara. Soro a une armée. Soro se prépare. Il a caché des armes. Soro et ses amis ont caché des armes. Zasso, dans peu de temps. Moi, dans peu de temps, là où j'ai mis mon pied, là. J'ai vu là-bas. Je sais qui est là. Moi, où j'ai mis mon pied, là, il ne recule pas. Hein. Je sais qui est au pouvoir. Soro n'aura même pas d'espace. Je vous dis tout, il n'a qu'à essayer. Il a essayé à Boaké, non? C'est sorti. Toutes les informations sont là. On a libéré son surtout sous, non? Les gens ont demandé pardon. Les parents ont demandé pardon au président. On dit pardon. Il faut le laisser. On l'a laissé. Mes chers amis, soit vous faites la politique de façon civilisée, pacifique, ou dans le cas contraire, votre John Soro là. Moi, je vous ai dit, sinon, il n'a pas dit pater s'inscrire. Il allait s'inscrire, il va aller faire étude, non? Il a fait sur son mur, là, tout mis, non? Il vous a dit maintenant qu'il ne s'est pas inscrit. Où on va là? Ce n'est pas de l'amusement. Le président Ouattara a pris tellement ses responsabilités pour hisser l'image de ce pays. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, un chef de guerre, tous ces gens que vous citez, que Soro a connu, et a ses amis qui sont dans l'armée, qui sont des généraux, qui sont des officiers, ils vont renverser Ouattara. Mais est-ce que Soro savait qu'à Boaké, là, d'accord déjà, il a tenté à Boaké. Mais le commandant spécial qui est rentré à Boaké, là, ça n'a rien à voir avec ces gens. Ah oui, il a failli humilier les Ouattara. Les enfants, là, ont failli humilier les Ouattara. Mais avant qu'ils ne se réveillent, on a envoyé une autre armée. Ça n'a pas, c'était pas sous Gbagbo. Hein. Vos comédies de Gbagbo au temps de votre régime FPI, vos comédies de 2002, là, c'était pas ça. Hein. Ils sont venus, ils ont neutralisé, ils ont mis de l'ordre. Parce que eux, là, ils savent ce que c'est que l'État. Et aujourd'hui, le président a verrouillé la sous-région. D'abord, déjà, sous-région, là, c'est verrouillé. C'est vous, Blaise Compaoré, appelé pour dire.
venez dialoguer avec les rebelles. Vous avez dit, vous ne dialoguez pas avec les rebelles, que s'ils rentrent à Abidjan, vous allez les mater. 2010, ça, c'est la même chose. Les gens ont pris gagnant partout sans pétrole. Et vous êtes assis au palais. Vous avez des bibles au palais au nom de Jésus. Jésus va venir. Et je vois des gens même qui chantent Jésus-Christ. Tous les pasteurs sont là-bas. On vous met à la tête d'un État. On tue des citoyens. On vous a donné l'armée, toutes les forces de l'État. Et vous êtes assis chez le président. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur va tomber. Le Christ va venir. Le Christ, c'est vous seul que le Christ aime. C'est vous seul que le Christ aime. Est-ce que c'est vous seul que le Christ aime? On vous a mis à la tête d'un pays. Chacun sa religion. Quand on est au pouvoir, on ne gère plus la religion. On gère l'État. La vie d'un peuple. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans vos religions, d'aimer vos religions. Mais c'est un pays. Nous, on peut en sortir animistes. Mais défendez nos droits. Vous ne nous défendez pas. Vous avez Bible matin, midi, soir. Simon, même, on ne peut même pas respirer. Mais vous voyez comment Dieu vous a lâché. Parce que Dieu vous a confié son pays. Vous n'avez pas été capable. Il a vu vos légèretés. Dagou Richard, vous allez l'écouter un peu. Avant que je ne termine. Parce qu'il faut qu'on va terminer. On va terminer. Voilà d'abord Dakou Richard. Premier acte 1, je vous le montre d'abord. Voilà que nous récusons. Et nous disons, moi pour ma part, je n'ai pas foi en ce panel. Leur projet n'a pas abouti. Et je voudrais peut-être d'ici faire payer révélation. Notre crise, tôt ou tard, finira. Par la faute, par la guerre. C'est de libérer le pays. Je le dis pour que demain, on dise à Dakou est prévenu. Tout ce qu'on fait, c'est du théâtre. Pour ma part, c'est vrai. Il ne faut pas rejeter ce qui vient vers nous. Il faut écouter tout le monde. Il faut suivre le mouvement. Mais je vous le dis, tôt ou tard, la vérité, c'est comment se frapper. Ça, c'est clair et net. Et si on n'a pas ça à l'esprit, qu'on pense qu'on va sortir par la voie diplomatique, on l'a empruntée depuis longtemps. Et ça va finir par se dimer. Il faut que les gens aient ça en tête. Ça, c'est clair et net. Chers amis, ça c'est Dakou Richard qui parlait les derniers moments, quand le panel, on parlait du panel. Moi, j'ai tout fait pour qu'on aille sur... C'est un homme extraordinaire. J'ai tout fait pour qu'on utilise la voie de la diplomatie. C'est le même discours, ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre. Et c'est eux qui ont trahi Gbagbo. Ils ont trahi Gbagbo. C'est ceux-là, c'est le plaisantin de Dakou Richard. C'est le comédien de Dakou Richard. Des comédiens comme ça, le président vous a donné. Quel argent Gbagbo vous a pas donné? Pendant que Soro est en train de payer ses armes, il prend tous ces milliards que vous lui avez donnés. Il prend les passeports diplomatiques de l'État de Côte d'Ivoire. Soro va dans des pays sous Gbagbo. Il se promène partout et puis il est en train de mettre sa machine. Soro là, je vous ai dit au FPI. J'ai dit Soro là, lui là, son seul combat c'est les armes. Il va prendre le pouvoir. Soro se fait puissant parce qu'il veut le pouvoir. Je l'ai dit au cadre du RDR. Ici, j'ai appelé certains. Il dit, Soro là, il va prendre le pouvoir. Soro là, dans sa tête là, c'est le pouvoir ou rien. Soro, ça peut investir dans la rébellion pour venir faire démocratie, pour faire élection. Soro, il s'en fout de ça. Soro là, il a son armée. Donc, lui, il se prépare à avoir son argent, financer des gens dans la sous-région, préparer, allez-y dans les pays, la mettre ses coups d'État, placer ses gens. Et puis, matin, il va tuer le président Ouattara, il va tuer Ahmed Bakayoko, il va tuer tous les assos. Et puis, il va s'asseoir au pouvoir. C'était le combat de Soro. Mais nous, on a déjà tout compris, hein. On a tout compris. Tout ce que Soro veut, c'est que nos sangs versent. C'est pour ça que le président dit que c'est un marxiste. C'est un marxiste. Les marxistes, là, c'est des communistes. C'est des gens qui utilisent la voie des armes pour accéder au pouvoir d'État. La voie de la violence, des soulèvements populaires, manipuler les classes populaires. Il finit de les manipuler. Vous avez vu Abidjan ici? Attends. Mais c'est eux qui étaient derrière. Les gens dorment au cimetière. Des gens dorment au cimetière. Ouattara a fait ça. Et il y a des Ivoiriens inconsciemment sont tombés dans le jeu. Ah, les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Mais tous ont préparé votre conscience à l'instabilité totale, à un désordre qui allait massacrer encore vos parents. Mais vous n'avez pas compris. Quand Zassou a commencé à s'élever, ah, Zassou, il est comme ça. En global, il est... Moi, je vais parler pire. Je vais parler. Je suis là pour vous parler. Je vais dire tout le petit jeu. Non, les enseignants se soulèvent. Les soulèvements des enseignants, les grèves, la fessie, tout ça là, c'est ça qu'on appelle l'esprit marxiste, communiste, manipulé. C'est-à-dire les classes faibles. Les classes faibles, manipuler les gens qui ne comprennent pas. Et puis maintenant, pendant que vous êtes en train de fâcher, ça va travailler. Et puis la nuit, l'armée passe derrière leurs armes. Ils vont commencer à maintenant massacrer les gens et puis ils vont venir s'asseoir au pouvoir d'État. C'est ça qu'on appelle les marxistes.
des faiseurs de coups d'État, des gens qui veulent verser nos sangs, qui veulent nous tuer, qui veulent tuer nos enfants, qui veulent massacrer nos enfants pour s'asseoir au pouvoir d'État. Ce sont eux qu'on appelle les marxistes. Allez-y, dites ça à Franklin Nyamsi. Dites à Franklin Nyamsi que Zasso dit Soro est un marxiste, c'est un faiseur de coups d'État, c'est un rebelle. Et le président a raison, c'est un rebelle. Voilà ce que Dagou Richard dit, 14e minute. Camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, je vous salue. Je suis Richard Dagoury, estampillé numéro 2 de l'Alliance des jeunes patriotes par la presse ivoirienne. Le sujet que je vais aborder est d'actualité. Il s'agit en l'occurrence de la démission du président du Parlement ivoirien en la personne de M. Guillaume Soro-Kibafoué. Eh bien, la raison officielle de sa démission a été annoncée par le chef de l'État lui-même à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à RFI, la radio française. Il s'agirait d'une incompatibilité idéologique entre lui et Soro-Kibafoué Guillaume. Je pense que cette réponse fastidieuse est un paravent en réalité pour cacher tout le mélimélo et tous les couacs qui ont tourné. C'est un gros français là. Gros français, elle a parlé pendant des années dans le Parlement, puis on a jeté Babo au pouvoir. C'est comme ça, et puis les gens dormaient. Nous, on conteste tellement sur son discours, gros français là. On est resté dans le sommeil, battait les rebelles, sont venus prendre la Côte d'Ivoire. C'est pas fini, hein, je viens. Les gens sont en train de développer le pays. Les gens sont en train de construire la Côte d'Ivoire. Vous êtes là. Ils doivent avoir la guerre. Ils doivent avoir la guerre. Ils doivent avoir la guerre. On va s'appuyer sur Soro pour renverser Ouattara. Côté Morogini. Essayez. Vous n'avez pas encore vu. Vous pensez que les shérifs Ousmane, les Kone Zakaria, là, eux ne sont plus dans le coup de. Eux ne sont plus dans le palais, mais eux sont passés à autre chose. Dans cette nouvelle configuration politique, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il lapider sur Rubio? Et pour quel objectif? Parce qu'on te lèche, on te lâche et on te laisse. Et c'est ce qu'elle nous dit. C'est la fonction du chef de l'État, du président de la République. Et on lui a promis en 2011 à l'hôtel du Golfe. Et aujourd'hui, le RDF refuse de lui faire porter le dossard du RHDP, du RDR. Et voilà aujourd'hui que Soro Guillaume a été réduit à sa seule expression. Il a été rejeté et on lui a appliqué la théorie des 3L que mon ami Chablé Goudé, bien entendu, nous a enseigné. On te lèche, on te lâche et on te lèche. Chers amis, il y a un point qu'il a soulevé. Dites à Dagou Richard que Soro, là, Laurent Gbagbo avait promis à Soro de faire de lui premier ministre en 2010. À partir d'aujourd'hui, allez-y, il a dit, tous ceux qui parlent, que Gbagbo, là, il a donné beaucoup d'argent à Soro. Non, parce que les gens parlent. Dites-le que Zasso dit, Laurent Gbagbo, il est là aujourd'hui. Le président Gbagbo, là, il a donné beaucoup d'argent à Soro au nord. Pour que Soro l'aide à gagner les élections en 2010. Il a promis de reconduire Soro comme premier ministre. C'est Gbagbo, c'est le FPI qui a promis Soro. Après Gbagbo, là, si Soro aidait Gbagbo à gagner en 2010, les années qui arrivaient là, Gbagbo allait aider Soro. Voilà. Et puis il faut dire aussi à Dagou Richard, dites-lui que Zasso dit, Soro là, Soro, avec les Franklin Nyamsi, que Soro allait voir Gbagbo à sa résidence pour que Gbagbo le reconduise en tant que premier ministre en 2010. Soro est parti avec tous les résultats d'élection. Il allait voir le président Gbagbo et dit, il faut me reconduire. Ils ont signé leur deal à Korogo. C'est à Korogo. Soro et tous ses amis ont voté pour le président Laurent Gbagbo. C'est les autres qui ont refusé. Mais l'autre groupe, ils ont voté pour le président Laurent Gbagbo. Soro Simone sait. Nadi Bamba même sait. Nadi Bamba qui est dans ce pays-là. Nadi Bamba qui est en Belgique. Elle va parler. Parce qu'elle sait combien son mari a donné à Soro. Nadi Bamba sait combien son mari a donné à Soro. Mais bientôt là, tu sais, moi je ne suis pas pressé. Moi, Zasso, là, je ne suis pas pressé. Pour mon pays, je suis engagé et je ne vais pas reculer. Je suis fier de ce pays qui est en train de se relever comme les grandes nations. Je suis fier du président de la République. Je suis fier de son équipe. C'est ça qu'on appelle des hommes. Quand on a au pouvoir d'État, il faut poser les bases d'un vrai développement. Pas venir distraire les gens des slogans nationalistes, souverainistes, marxistes. Qui va tuer nos parents, alors que les parents ne savaient rien même de lutte que nous voulons mener. On ne leur apprend rien, on les jette dans des combats inutiles, on les massacre, et puis des gens viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour jouer encore notre esprit. Ils vont jouer à notre esprit, et puis on les tue encore, nos parents. Et puis ils vont devenir puissants. Les Dagou Richard vont avoir voiture, ils vont dans les grosses voitures,
Et puis ils vont faire malin, ils vont chercher nos copines, nos jolies, jolies filles là, ils vont les prendre. Et puis nous, on est là, ils mentent, on ne va plus faire ça, on ne va plus revenir à ça. Aujourd'hui là, Côte d'Ivoire a construit là, chacun va chercher son argent. Tu as travaillé, tu gagnes ton argent. Chacun va travailler pour avoir son argent. Les systèmes où quelqu'un va venir, puis là, sur le pays, puis vous partez ça à la fin du mois au palais. On vous paye 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. Vous partez voir Gossio, vous partez voir telle personnalité, puis mettre l'argent dans vos poches là. C'est terminé. Le président Ouattara dit, il ne veut plus ça. Il veut qu'on travaille. Tu as tes projets, tu sais ce que tu sais faire, tu adresses les banques, tu t'envoies le président, tu dis, monsieur le président, voilà ce que je veux faire. Il dit, tu as besoin de combien? Il te donne des capitaux, tu vas investir, tu fais tes affaires. Voilà le combat libéral du chef de l'État, le président Ouattara. Il fait venir les investisseurs, développer le pays, donner une image à la Côte d'Ivoire pour que les gens rentrent pour développer le pays. Vous trouvez des emplois pour que les nationaux se mettent au travail. Voilà le vrai combat qu'on est en train de mener. C'est tout. C'est l'armée ivoirienne qui compte utiliser et peut également aussi utiliser sur le Conseil constitutionnel qui hier a validé la candidature d'Assa Ouattara en parlant d'un nouveau élément qu'on appelait la candidature dérivée. Aujourd'hui, attends, là, la dixième parole. Alors, il faut laisser alors et une côté. Alors, c'est très important que dans cette grisaille politique, mais dans ce marigot politique, il est important que on porte une réflexion et qu'on ouvre des axes stratégiques pour voir dans quelle mesure on pourra apporter une contribution efficace au départ de Ouattara. Parce qu'il faut faire en sorte qu'il ne se représente pas en 2020. Parce que cela viole la Constitution et ce n'est pas si c'est Bakongo qui m'en dira le contraire. Et Maître Ouagogou, qui a été celui-là qui a été l'architecte de l'écriture de la Constitution ivoirienne. Donc, Ouattara veut violer la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les instruments médiatiques, les instruments diplomatiques pour faire porter notre cause au plan international, pour dénoncer cela. Voilà le combat maintenant. Et il faut utiliser tous les éléments, tous ceux qui peuvent nous aider pour pouvoir faire dégager Ouattara. Il faut le faire. Et donc aujourd'hui, selon comme étant dans l'opposition, je trouve que lui lancer des pierres, ce sera improductif. D'ailleurs, au contraire, Ouattara l'a utilisé hier contre nous. Eh bien, bien entendu, c'est l'occasion, nous aussi, de l'utiliser aussi contre Ouattara. Mais je sais que Solo Guillaume a quelque chose à démontrer, parce qu'en fait, on le prend pour un fourrien. Il y a une chanson d'un groupe qui dit « Fourmi magnan chocolatier, je ne mange pas, tu ne manges pas ». Eh bien, c'est Charles Goudé qui a toujours l'habitude de le dire. C'est-à-dire aujourd'hui, le RDN n'ayant pas été reconnaissant à Solo Guillaume, l'ayant rejeté comme un malpropre, alors Solo Guillaume veut se venger. Vous avez entendu? Il dit comme Soro Diom, le RDN n'a pas été reconnaissant vers Soro Diom. Soro Diom veut se venger. Et vous allez écouter la vidéo est là, vous aurez tout ça. Vous aurez tout ça, mais je pense que vous allez encore écouter la vidéo. Il dit comme le RDN n'a pas été reconnaissant Soro. Je crois que Dakou Richer a un problème. Il a vraiment un problème, il a vraiment un problème. Et je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse. Soro là, il a tout obtenu de la République de Côte d'Ivoire. Soro a tout obtenu. Normalement, dans un pays civilisé, où des gens, la plupart, s'il y a des organisations de défense des droits de l'homme, s'il y a des ONG, s'il y a des citoyens conscients, Soro les doit être en prison. Soro doit être arrêté et jeté en prison. Soro, Babo n'a pas donné l'armée à Soro pour que Soro fasse la guerre en 2010. Soro a signé des accords politiques avec Babo. On lui a confié l'organisation des élections. Ce n'était pas pour que Soro prenne son armée pour aller faire la guerre. Non. Soro n'a pas aidé les ennemis parce que Soro était du côté du président Laurent Gbagbo. Donc, là où, dites à Dakou Richer que là où le président Ouattara est arrivé, ce n'est pas Soro qui l'a mis là. Parce que j'entends des gens dire, c'est Soro qui a battu sa campagne. Le président Ouattara là, ce n'est pas Soro qui a battu sa campagne. Parce qu'en 2010, là, moi j'ai battu aussi la campagne. Les 32% là, j'étais là. Donc, on ne va pas nous narguer. On ne va pas nous narguer. Et maintenant, nos yeux sont ouverts. À tout moment-là, moi-même, tout est tombé. Maintenant, moi, je vois clair. Où je suis là, je vois tellement clair qu'on ne va pas me jouer avec moi. Chers amis, ne vous laissez plus distraire. Moi, je vous dis la vérité, hein, vos parents sont trop morts. Que tu aimes le président Ouattara ou pas, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. On est tellement morts. Nombre de nos amis ont été tués. Aujourd'hui, Soro est milliardaire. Il dort dans une maison de 2 milliards. Il n'a jamais travaillé.
Soro n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais rien fait. Même ça de tomates, il n'a pas fait. Même ça de manioc, il n'a pas fait. Mais John Soro est aujourd'hui milliardaire. Et des intellectuels comme Dakour Richard. Un intellectuel, Dakour Richard, quelqu'un que j'ai. Dakour Richard, c'est toi qui dis ça? Non, comme Soro, Ouattara n'a pas utilisé Soro. Personne n'a utilisé Soro. Soro, là, il s'est séparé de Gbagbo dans la haine. À cause de votre affaire de Fessi, vous connaissez la vérité. Vous savez comment le président Soro et Laurent Gbagbo se sont séparés. Vous savez. Quelle proposition le FPI n'a pas fait à Soro? Soro a refusé. Soro, dans sa tête, il voulait faire sa guerre. Donc, il allait faire sa guerre. Il va assumer sa rébellion. Ça va le poursuivre toute sa vie. Il va aller en prison. Tôt ou tard, il ira en prison. C'est les gens qui s'amusent avec, avec lui. Hein. Mais moi, Zasso, là, si c'est moi, ce monsieur-là, il y a longtemps, moi, je l'ai enfermé. Et puis, je le condamne à mort. Il sera condamné à mort, lui-là. Les crimes qu'il a commis, puis il ne veut pas se respecter. Il ne veut pas respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Il nargue tout le monde. Il finance les gens parce qu'il a beaucoup d'argent. Il prend cet argent, il manipule les gens. Venir ternir l'image des gens, des Franklin Niamsi, des délinquants, des voyous, des Franklin Niamsi, qui vont venir sur les réseaux sociaux attaquer nos régimes politiques. Des gens qui n'ont même pas de respect. Quand il parle du président Ouattara, André parle de son petit frère. Quand Franklin Niamsi, et puis vous pensez que nous allons laisser son... Il va payer Franklin Niamsi 2 millions de francs par mois. Il a billet d'avion. Franklin Niamsi a tout. C'est pour ça qu'il est gonflé, il s'en poule. Parce que Soro lui a donné beaucoup d'argent. Il prend cet argent, il va payer des journalistes. Il crée des télévisions en ligne. Mais tout ça, c'est Franklin Niamsi qui est derrière. Parce que Soro lui a donné beaucoup d'argent. Il prend ça, il attaque un régime. Il traîne l'image de notre pays, salit l'image de notre pays. Et nous, les Ivoiriens, on va rester là. Comme on n'aime pas le président Ouattara, on va le laisser faire. Parce que hier, le président Ouattara s'est appuyé à Soro Diom, le RDR s'est appuyé sur faux. C'est vous qui avez Soro là, c'est votre gars. La rébellion là, c'est votre complicité. Soro, on pourrait le mater. Vous avez la possibilité, Blaise, vous appelez, dit, venez en dialogue. Vous avez dit que vous ne dialoguez pas, hein, Blaise. Boga Doudou, même ami, Boga Doudou a laissé sa peau dans ça. Boga Doudou dit pardonnez, venez aller parler au Burkina. Vous avez dit non, vous êtes retrouvé à Dabou. Vous avez dit non, vous ne dialoguez pas, hein, Boga Doudou. Boga Doudou s'est levé seul. Où il est parti, il est venu, il est mort. Boga Doudou est parti, il est venu, il est mort. Vous n'allez plus nous distraire. Dites-moi que Zasso dit ici, les morts, c'est pas grave. Moi, là, même si on me tue que je suis mort, ce qui est sur moi, j'ai déjà mis ça dans vos oreilles. Ça est dans vos oreilles, chacun n'a qu'à prendre, mettre ça dedans. Que Zasso dit, 2010, là, c'était un business. Ils ont laissé la rébellion rentrer pour partager la Côte d'Ivoire, Soro, puis devenir riche. Ça se fait. Des systèmes le font. Des systèmes le font. On a pris le pouvoir. Si on veut aller sur des bases démocratiques, on ne sera pas vite riche, les gens vont nous surveiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dialoguer avec les rebelles à Burkina. On ne dialogue pas avec eux. Laissons-le, laissons-les, menaçons-les, menaçons Blaise. Disons à Blaise que tu ne peux pas. Nous, quand ils vont rentrer, on va les massacrer. Donc on se replie sur nous. Entre nous-mêmes, on fait palabre. On dit non, laissons-les là-bas. Il y a d'autres qui disent non, dialoguons. D'autres disent non, il ne faut pas en dialoguer. Mais ceux qui disent qu'il ne faut pas en dialoguer, ils ont quelque chose derrière la tête. Une fois que le système frappe, les gens s'installent, chacun s'enrichit. Vous avez vu ça pendant les 10 ans? Je dis ce système-là, moi j'ai compris ça à partir d'ici. J'ai compris à partir d'ici qu'en Côte d'Ivoire, en 10 ans, on nous a distrait avec la rébellion de Soro. Ça n'a rien à voir avec le président Ouattara. Le président Ouattara a battu campagne dans ce pays. C'est l'un des opposants qui avait un avion spécial, qui faisait un avion spécial pour faire ça. On a mis à deux solutions sur son avion. Avion de campagne, on a mis à deux solutions. Voilà, il a battu Bédié, il a eu 32%. Là, vous, votre vieux Bédié a eu 25%. Lui, il a eu 32%. Première participation, il avait le soutien des assos. C'est pour ça que j'ai dit, moi, là, respectez-moi. Nous, là, respectez-nous. Voilà, Soro, là, il ne peut pas. Votre Soro ne peut pas. Ne comptez même pas sur Soro. Il va s'asseoir, il est sur Facebook, il joue dame, il vient mettre les images, il joue dame. C'est du cinéma, c'est du pipeau. C'est du pipeau, il veut prouver qu'il existe encore. Mais nous, là, on va aller doucement à lui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, hein, chers amis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il va se ressaisir lui seul. Il est en train de se ressaisir. Il est en train de se ressaisir. Il ne va plus sortir du pays. Soro ne va plus sortir du pays. Il va rester dedans. Tous ces petits jeux, il est en train de faire avec le FPI, avec Bédié, les cadres du FPI qui ne sont même pas conscients des aînés que moi je respecte tant. Boga Doudou est mort. Chose est mort, il a été tué. Désiré Tagro. Même si Désiré Tagro, sa famille biologique, n'arrive pas à poser le débat de l'assassinat de Désiré Tagro, du moment que Soro fait une audio et que Soro dit on a tué Désiré Tagro, mais le FPI devait rentrer en ébranle pour dire non, c'est notre deuxième ministre de la sécurité qui a été tué.
Non, les cadres du FPI doivent dire non, il faut que justice soit rendue. Les militants du FPI doivent se lever pour aller vers les procureurs pour dire non, monsieur le procureur, il faut que le débat ouvre. Nos organisations de défense des droits de l'homme, tout le monde est muet, alors que Soro l'a avoué ouvertement. Soro l'a avoué ouvertement et dit il a tué Désiré Tabou. Et je vois des proches Babo, des Bété et autres qui sont là. Soro, c'est l'enfant de Babo. Soro, c'est l'enfant de Babo. Babo n'a pas mis Soro au monde, c'est pas son enfant. Ah non, vos petits jeux qui consistent à s'allier aux gens pour détruire les gens, là, c'est fini. Hein? Ou on fait alliance parce qu'on veut renverser l'autre. Nous, là, quand vous faites vos alliances, là, quand il y a mort, là, c'est nous, on meurt. C'est nos parents, là, c'est eux qu'on tue. Quand vous faites vos alliances, là, ce sont les faibles qu'on tue. On a vu ça à Korogo. On a vu ça à Odiené. On a vu ça à Sinimatiali. On a vu ça à Mankono. Même à Mankono, même l'amiral Blédé qui crie, là. On a traîné leurs parents, on les a mis derrière voiture. Et puis, on se promenait à eux dans la chose, là. On se promenait, on les massacrait, on les abattait, on les a tellement tués. Non, si Soro ne veut pas se ressaisir, nous, on va lui parler. Alors, chers amis, continuons de soutenir le président Ouattara. Allez-y, dis à Dakou Richard. Lui qui a dit, on n'a qu'à faire la guerre en 2010. Dakou Richard dit, on va faire la guerre en 2010. C'est... Pour ceux qui peuvent vous aider pour pouvoir faire dégager Ouattara, il faut le faire. Et donc aujourd'hui, selon comme étant dans l'opposition, je trouve que lui lancer des pierres, ce sera improductif. D'ailleurs, au contraire, Ouattara l'a utilisé hier contre nous. Et bien entendu, c'est l'occasion nous aussi de l'utiliser aussi contre Ouattara. Mais je sais que Solo Guillaume a quelque chose à démontrer. Parce qu'en fait, on le prend pour un fourrien. Il y a une chanson d'un groupe Zou qui dit « Fourmi magnant sur colatier. Je ne mange pas, tu ne manges pas. » Et bien c'est Charles Boudou qui a toujours l'habitude de le dire. C'est-à-dire aujourd'hui, le RDN n'ayant pas été reconnaissant à ce royaume. Le maire Dakou Richard même là, il oublie que le FPI m'a abandonné Blé Boudé. Le FPI là, ils ont abandonné Blé. Blé est à la DST. Au FPI n'a pas fait de... Le FPI n'a même pas fait d'effort pour soutenir Blé. Ils ont laissé Blé venir à la CPI parce qu'ils voulaient détruire le petit. Dakou Richard qui parle là, il lui dit que ton FPI là, ils ont abandonné Blé. Eux-mêmes les ont fait des promesses à Blé. Tu sais, moi je vais doucement, hein. Je vous dis que laissez Blé là où il est fatigué. Blé a trop donné sa vie pour le FPI. Blé là, il a trop donné sa vie pour le FPI. Dakou Richard, il faut être intelligent. Quand on vit en Europe là, c'est pour être intelligent. Quand on vit en Europe là, c'est pour être intelligent. Il faut dire à Dakou Richard que le FPI a abandonné Blé. Ils ont abandonné Blé, même à la CPI. Regardez Blé, aujourd'hui il est libéré, il n'a pas payé pour l'accueillir. Et le FPI ne fait rien. Le FPI ne fait rien. Blé seul se débat. Blé seul se débat. Et tu dis, toi tu avais protégé Blé. Babola, il a tout fait en enlever les sanctions contre Soro Diom. Soro Diom, 2004, il allait voir l'Union Européenne, on a enlevé toutes les sanctions contre Soro Diom. Mais les sanctions contre Blé sont restées. Le FPI n'a pas levé les sanctions contre Blé. Les sanctions sont là, mais ils ont levé pour Diom Soro. Il faut dire à Dakou Richard que même votre FPI l'a trahi Blé Goudé. Et il continue de trahir Blé Goudé. Ton président Laurent Gbagbo là, il allait appeler sa femme, il a donné l'argent, il dit non, qu'à le louer maison. Nadi Mama a pris une grosse partie d'argent, il allait mettre ça à Belgique. Elle a pris son enfant. Pourquoi le président Gbagbo l'a pas fait aussi pour Blé? La libération de Blé, de Gbagbo là, ça a été diplomatique. C'est parce que le régime d'Abidjan dit à la Belgique qu'on est d'accord. Ils ont envoyé des émissaires et le régime d'Abidjan dit on est d'accord. Mais pourquoi on n'a pas négocié pour Blé aussi? Pourquoi Gbagbo n'a pas négocié pour Blé? Pourquoi Gbagbo n'a pas négocié pour Blé? Et il laisse Blé dans les hôtels. Et les gens sont en train d'humilier Blé Goudé aux yeux du monde entier. Pourquoi? Pourquoi? Blé, c'est un jeune. Dites à Dakou Richard que on est prêt. Bientôt, le problème de Blé, là, je vais revenir dessus. Je ne vais pas lâcher. Un enfant qui a donné toute sa vie pour le FPI. Un enfant qui a donné, mais c'est parce qu'il n'a pas vite compris. C'est pour ça qu'il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger. Votre Soro là, c'est lui qui a fait que Blé se trouve dans la merde. Votre Diom Soro là, quand Blé était au Ghana, c'est lui qui manipulait. C'est lui qui a commencé. Votre Soro, quand on a amené Blé à Ghana, il pense qu'on allait lui donner Blé. Il pense qu'on allait lui donner Blé. Mais moi, je viens. Cette fois-ci là, je vais aller dans les villages bêtés. Et puis je vais leur dire la manigance de Soro. Aujourd'hui, Soro a abandonné Blé. Il n'a qu'à appeler ses réseaux. Dites à Soro que Zasso dit appelle tes réseaux. Et puis on va donner une chose à Soro. On va donner une chose à Babo.
C'est souvent tes régimes, on utilise les jeunes et puis on les jette. Voilà, Blaise Goudé, aujourd'hui, tu as la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour votre régime politique? Vous, les cadres du FPI. Vous avez fait quoi pour lui? Il va faire meeting, il est obligé d'aller s'asseoir devant vos portes, vous attendre. Là où seront des milliards, Blaise Goudé n'avait pas de milliards. C'est à la dernière minute, on nomme Blaise Goudé ministre. À la dernière minute, on le nomme ministre. C'est parce que lui qui n'a rien compris, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce pays. Parce que lui n'a pas compris que le monde, là, on peut te verrouiller définitivement. On peut te verrouiller. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Les gens, là, c'est eux qui ont leur capitaux, l'argent, banque, tout, c'est eux qui gèrent. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Dieu leur a donné toutes les chances. Ils savent tout faire. Ils ont les banques, assurances, ils sont partout. C'est eux qui ont les grosses entreprises. S'ils disent que le pouvoir en Côte d'Ivoire, ça va jusqu'à... Le président Ouattara nous a mis à la chose. Le président Ouattara, là, il est en train de faire des efforts. Aujourd'hui, on est rentré au Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, il est en train de tout ficeler. Vous allez voir comment j'ai héritage. 2020, là, vous allez vous calmer, vous tous. Ce que le vieux est en train de faire, là, c'est un excellent boulot. Le président est en train de verrouiller le pays. Et le pays, là, connaîtra la paix. Dites à Dakou Richard, il n'a qu'à aller à Abidjan. Dites à Dakou Richard, les assos, dit, il allait là-bas. Il n'a qu'à prendre son billet, il va partir, il va voir de ses propres yeux. Dites à Dakou Richard, les assos, dit, paye ton billet, toi, à Abidjan. Abidjan est en train de devenir choco. En tout cas, le président Ouattara, il est réaliste, il est concret. Pour lui, là, c'est propre, c'est clair. On touche du toit. Les ponts, les routes, les quoi, on touche, c'est du jeu. Tout ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre pouvoir en 2020. Et l'élection de 2020, on va gagner. Parce que moi, je serai à la tête de la campagne de la jeunesse. On va gagner les élections de 2020. On va gagner les élections de 2020 et puis il n'aura rien. On va gagner les élections de 2020 et puis il n'aura rien. Babo ne rentrera pas en Côte d'Ivoire, Blé ne rentrera pas là-bas parce que votre plan là, c'est pour prendre demain vos militants, comme à Paris, vont prendre bagage, venir voler l'argent des gens. Derrière tous les Babo ou rien, déjà c'est du vol. Derrière Babo ou rien là, déjà c'est du vol. Et haïr les gens, insulter les gens, menacer les gens, c'est ça qui est Babo ou rien. Aller voler valise des gens, c'est ça qui est Babo ou rien. Il faut que justice soit faite, ils n'ont qu'à les arrêter, ils n'ont qu'à les mettre en prison. Il faut que, une fois, les autorités françaises nous protègent aussi. Parce que moi, je ne peux pas quitter ici, aller en France, et puis on va m'agresser dans les métros, on va m'agresser dans la rue, devant des Africains, les hommes du monde entier, on va salir mon image. Ils n'ont qu'à faire justice. Justice, j'ai dit, moi, là, j'ai dit, justice, là, n'a qu'à faire son travail, ils n'ont qu'à les mettre en prison. Que je suis cardiaque. Tu es cardiaque, et puis tu t'en fais des bêtises comme ça. On t'arrête maintenant. Je suis cardiaque. Je vous aime. Moi, je vous adore. Chers amis, on assemble. On assemble. Que Dieu vous bénisse. Notre pays, c'est notre pays. On ne lâche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous distraire. Préparez-vous bientôt. Nous allons faire le lancement. On va présenter le mouvement Génération 2020 à la presse le mois prochain. Nous serons déjà en Côte d'Ivoire pour présenter le mouvement Génération 2020. Nous allons présenter le mouvement à la presse ivoirienne. Parce que comme je l'ai dit, hein, le pays est verrouillé. Ahmed a parlé, Dakou Richard n'est pas d'accord avec ça, mais on va ramener ça. Voilà, il n'est pas d'accord, il s'est plaint, il dit non, Ahmed a dit c'est verrouillé. Oui, Ahmed parle comme un garçon. Ahmed, ce n'est pas le présentateur sous Babo. De toute façon, vous avez joué sur vos cinémas, Babo vous a tout donné. Et puis vous êtes là, Soro arrête Babo. Soro humilie Babo aux yeux du monde entier. Il s'est imposé rébellion à Babo sous vos yeux. Vous n'avez même pas honte. Vous les pro-Babo. Moi, Zasso, j'ai trop honte. Soro, on l'a nommé ministre de la Défense, premier ministre. Babo a refusé de le reconduire en tant que premier ministre, quand il a vu que les trucs étaient bien menés, là-bas menés, puis il dit non, j'étais allé voir Babo, et puis j'ai dit à Babo qu'il n'a qu'à partir. Je lui ai donné les résultats. Soro, tu mens. Soro ment. Soro n'a jamais. Babo est là, il est vivant. Simone est là, Sokou Boyu est là, Dakou, tous eux sont là, ils sont là. Et tous allez leur demander. Dites-leur que Zasso dit, qu'est-ce qui s'est passé, n'ont qu'à vous dire. Moi, je demande aux journalistes, posez la question à Simone. Dites à Simone, qu'est-ce qui s'est passé? Le FPI et ses cadres n'ont qu'à sortir de l'hypocrisie. Leur hypocrisie, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à aujourd'hui parler, nous, on les attend. Qu'est-ce qui s'est passé à la résidence de Gbagbo en 2010 ans, ce Soro Gbagbo? Quand Soro arrivait là-bas, tout le monde était là. Tout le monde était là. C'est Blaise Goudé qui n'était pas là. C'est quand Blé est arrivé que le président Babo lui a parlé pour dire « Ah, Soro vient de partir. » Voilà ce qui s'est passé. Les cadres du FPI me l'ont dit. Ils vont rester là, ils vont narguer les gens. Votre Soro, c'est une manipulation, c'est un marxiste. C'est quelqu'un qui aime passer par des petites tripotes. Mais présidence, là, il ne va pas prendre. Demi-vers, là, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Non, 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 pas du tout. Il n'a pas les moyens, il a fait quoi? On lui a donné Boaké. Pendant 10 ans, il a fait quoi? On lui a donné Boaké, il a massacré les parents de ses parents de Boaké.
Il a cassé les entreprises. Il a pris des gens à aller prendre l'argent. Les gens les étaient pas. Ils étaient obligés tous de fuir Boaké pour venir s'installer à Abidjan. Il a cassé les entreprises. Il l'a volé. BCAO même, il allait prendre plus de 20 milliards. C'est Soro. Soro a tout volé. Soro n'est pas un modèle pour notre génération. Soro ne peut pas être un modèle pour notre génération. Non. Moi, ma génération, là, Soro ne peut pas être un modèle de ma génération. Ce n'est pas possible. On ne peut pas me convaincre sur ça. On ne peut pas me convaincre. Lui, c'est là qui manipule. Tantôt, il veut manipuler les aînés. Mohamed Bakayoko a vu dans son jeu. Mohamed Bakayoko a vu dedans. Je voulais le saluer. Dis ton ministre de la Défense que Zasso dit, il te salue. Il te salue. Et puis, il ne faut pas lâcher. Il ne faut plus lâcher là où tu es parti. Là. Le problème de Soro, il ne faut pas jouer avec ça. Tu as commencé un excellent travail. Va jusqu'au bout. Je demande aux soldats dans l'armée, tout le monde, comportez-vous, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Ne laissez pas qui que ce soit humilier le chef de l'État. Vous êtes des soldats de la République, battez-vous pour votre pays, sécurisez votre pays, verrouillez votre pays, parce que votre pays, au plan international, tout le monde vous attend. Tout le monde regarde si notre armée a grandi. Tout le monde regarde si nos militaires ont pris conscience. Si les Ivoiriens regardent, le monde entier vous regarde, si vous aimez vraiment votre pays. Battez-vous pour protéger ce pays. Ne laissez pas n'importe qui faire n'importe quoi. Vos parents ont souffert. Beaucoup de vos amis militaires ont été tués. Beaucoup de vos femmes ont été tuées. Vos enfants ont été tués. Vos parents ont été tués. Aucun soldat ne doit jouer le jeu de John Soro. Pas possible. Allez-y, leur dis ça. Que personne ne se laissera faire. Le moment venu où John Soro va comprendre que ce monde-là, il est verrouillé. On l'a laissé faire ses désordres au Burkina. Mais bientôt, il va aller répondre aux Burkina. Dites que les Burkinabés vont le prendre. Où l'aile ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Si l'aile n'a qu'à sortir, ils vont l'arrêter de mordre. Le Burkina a déjà lancé son mandat d'arrêt. La France même est informée. Ceux qui sautent là. Dites-le. Ils sont pressés. Non, ils vont faire coup d'État. Pour que votre appart est vide. Pour ne plus que ce soit ait des problèmes. Donc, ils sont là sur les réseaux sociaux. Ça crie, crie, crie. Il faut... Vous n'allez rien faire. Abidjan est calme. Abidjan est serein. Alizé l'a dit que Zasso dit tout est serein. Tout est bouclé. Oui, dites-le que Zasso dit, tout est bouclé. C'est ici, vous allez sauter, sauter, sauter. Mais c'est bouclé. Soro ne va pas sortir. Si Soro sort, ils vont l'arrêter. Le Burkina a déjà son mandat. Hein? Chose à mener. Et puis là, c'est le président Ouattara qui a bouclé. Mais s'il sort, il n'a qu'à jouer dame. Il est bien allé payer dame, il n'a qu'à s'asseoir, il va jouer. C'est ça, il va jouer. C'est celui-là, Dakou Richard compte. C'est celui-là, Dakou Richard compte pour renverser Ouattara. Vous vous trompez, ce n'est pas votre régime. Hein? Dites-leur que Zasso dit votre régime où vous passez votre temps à faire du n'importe quoi. Ce n'est pas ce régime-là où tout le monde est leader, tout le monde est chef, tout le monde est patron. Ce n'est pas comme ça. Hein. Le pouvoir du président Ouattara s'est verrouillé. Où les Damana Pika, sous votre régime, Damana Pika n'a pas de respect pour Blaise Goudéchal. Parce que Simone Gbagbo lui donnait une certaine opportunité. Dakou Richard était gonflé. Dakou Richard était gonflé. Dites-leur que ce n'est pas le même régime. Où les Damana Pika s'étaient gonflés. Ils n'avaient pas de respect pour Blaise. Dites-leur que ce n'est plus ce régime. Dakou Richard n'a qu'à payer son billet. Allez-y lui faire ma commission. Dites-leur que Zasso dit, tu peux rentrer au pays. Tes parents ont besoin de toi. On va aller développer notre région. Le président dit qu'au plan social, il va nous donner l'argent bientôt. Voilà, il va donner l'argent, beaucoup d'argent. On va aller gagner le village Guébier, le quoi là. Il va vers l'Ouest. Il a déjà un gros budget. Il a eu l'argent. L'argent est déjà là. Donc, chers amis, moi, je suis en train d'appeler à la paix parce que le président de l'argent est venu. L'argent n'aime pas bruit. Voilà. On ne va plus accepter Gagnon là. Il est en train d'arranger la route. Il sort, je ne sais pas, bientôt ils vont arriver à Gagnon. Les hôpitaux, les routes, le président dit on va arranger tout ça. Je suis en train d'appeler les cadres de Gagnon à l'unité, à la solidarité. Ils n'ont qu'à vraiment se mettre au travail. Pourquoi on arrête Gagnon ici à l'Ouest, à Mans? Tous ces cadres du PDCI aujourd'hui qui ont rejoint le président Ouattara. S'il y a des gens encore qui sont dans le doute, rejoignez le RHDP. C'est moi qui vous appelle. Rejoignez le RHDP. De l'autre côté, il n'y a rien, c'est la haine. Venez tuer vos parents demain, c'est ça qui est dans leur tête. Comment ils vont s'arranger, puis on va venir tuer vos parents, faire la guerre, et puis on va venir s'enrichir, vous maintenir dans la pauvreté, la misère. Nous, on ne va plus tolérer ça. En tout cas, moi, transmettez mes commissions, préparez-vous bientôt. Je vous ai dit, je viendrai vers vous. On va lancer le mouvement politique. Je viendrai en Paris, je viendrai en Suède, Bruxelles, partout. Je viendrai vous rencontrer. Je viendrai vous rencontrer. Merci à vous tous. Vous êtes restés jusqu'à 1000. Vous avez tenu. Je vous aime. Je vous adore. Battons-nous pour notre pays. Tout bon citoyen. Un bon citoyen doit se battre pour son pays.
C'est la terre de nos ancêtres. C'est le pays de nos parents. C'est là que nos parents nous ont mis au monde. C'est là que nous avons tout obtenu. On ne va pas laisser quelqu'un détruire notre pays. Non. Celui qui veut faire la politique, il n'a qu'à le convaincre le peuple. Il n'a qu'à aller avec des arguments solides, des arguments de façon pacifique. La haine, c'est terminé. On va bannir. C'est pour ça que le président Ouattara a proposé le RHDP. Ils n'ont qu'à créer leur plateforme. Voilà, trop de partis politiques là. Nous, on n'est plus dedans. Dans notre pays, maintenant, on n'a seulement que deux grands partis politiques. Voilà. Chers amis, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse vos enfants. Dieu bénisse vos femmes. Dites-leur que Zasso vous salue. Toutes les femmes qui encouragent leur mari à suivre les vidéos des Zasso, je voudrais vraiment vous dire merci. Parce que grâce à vous, vos maris ont compris. Au début, ça m'insultait. Zasso était ceci. Zasso... Mais moi, c'est pour le pays. Nous tous, on vit en Europe. Mais qui va protéger nos ancêtres, nos parents? Pays, là, c'est pour pays. Déjà, ils protègent leur pays. Non, nous, on doit prendre aussi conscience pour protéger notre pays. Ici, ce n'est pas chez nous. On est appelé à retourner chez nous, investir dans notre pays. Même si on est marié à des femmes blanches, qu'elles ne veulent pas que trop parte chez nous. Mais il faut qu'on montre à nos femmes blanches que c'est aussi notre pays. Il faut qu'on leur montre. Donc, je voudrais dire à toutes ces femmes blanches qui disent à leur mari que ah, Zasso a commencé la vidéo, va t'asseoir. Je voudrais vraiment leur dire merci. J'arrive, j'aime sauce graine, sauce gnagna et puis bon kabato. Voilà, bon kabato. J'aime les guaguasu aussi. J'aime. Avec sauce d'âme, j'aime beaucoup les tripes de viande là. C'est ça, j'aime beaucoup. En tout cas, merci à vous tous. Dieu vous bénisse. Je vous remercie.